Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons les Jets. Alors, on a quelques problèmes avec la Confédération germanique. On a quelques problèmes tout court, avec beaucoup de gens. J'ai pas beaucoup d'argent. Mais quelques petits soucis de thunes. Quelques petits soucis d'ennemis également. Confédération. Quelques petits soucis de Romains également, qui apparemment sont déjà pas assez en guerre et qui décident de venir sur ma tronche. Bon, ça passe en automatique, ça c'est la bonne nouvelle. Voilà. Oh, attends, ça m'a permis de faire vraiment beaucoup de thunes. Budorgis va peut-être tomber. Solugien, ça. La Confédération germanique, oui, c'est la même chose. Bon, bah. Va passer à Istros. Là, ils sont encore malades. Alors, tac, tac. Andricia. C'est pas facile. Ouais, bon, ça s'est bientôt réparé, on va dire. Faire quelques unités à Noraya parce que ça craint un peu du boudin là. C'est un naïque. Ouais. Je vais pas Istros pour la prendre, je vais juste pour le piller, ce serait bien même si si Lulugien pouvait prendre Istros ou. Ouais, ça me va. Double alliance militaire, ça me va. Alors, les Romains, ils sont pas encore là, mais. Ça ne saurait tarder. Là, on va piller, on laisse la ville sans défense. Je suis le poignard dans l'obscurité. Les ombres sont des amis. Ok, ça me permet de voir, de venir voir au moins. Les Romains reviennent. Il y a des dégâts. Bon, ça va se réparer un jour ou tout seul, je veux dire. Et là, je vais faire ça. Ça ou les deux? Ah, tu sais quoi, je vais faire les deux. Au moins, j'aurai des unités fortes, même si elles me coûteront une blinde. Ça y est, là, oui. Ils sont plus malades. Là, je crois qu'ils ont pris la ville. Les Boyens, compris? C'est qui? Non, c'était pas les Boyens. J'ai presque envie de dire oui, mais.
On va dire oui. Les affluents ont pris le territoire. Moi, je peux pas trop traîner dans le coin là, par contre. Vous m'excuserez les gars. Ah bah enfin. J'y croyais plus. Voilà, City Royale, elle est menaçante aussi. Un peu entouré par plein de menaces là, c'est pas terrible. Ah bah j'ai plus d'argent. Je me demandais ce que j'allais faire, mais n'ayant plus de pognon. Construction. On va pas en faire. De toute façon, il va falloir que les pillés. Au moins Patavium. On va garder de la vision par là, on va récupérer de la nourriture. Ouais. Ils ont pas aimé, hein. Ils ont pas aimé le coup de Romain ici. Pas du tout. Je le sens pas trop là. Regardez. C'était pris passeport. Ah purée, encore une menace de plus. On peut y arriver. Alors du public est bon là par contre. Ah ça a été pillé là? Ok. Des travaux, hein, tout ça, ou alors ça va peut-être que ça a pris feu. C'est aussi une possibilité. Ok. Là c'est bien là. Ce qui se passe par là, j'aime bien. Les dalmates? Putain, ça suffit pour foutre les Romains dans la merde, juste mon espion là. À ce point-là? J'aurais pas cru. Hein. Un peu chier. Hein. Donc j'aurais bien voulu le piller un coup, quoi. J'ai mis un espion, quoi.
Il joue avec si peu de marge de nourriture, le bot là. C'est un espion. Non, parce que moi je comptais sur le fait que les Dalmatis se fassent pourrir totalement la tronche quoi. Mais non, bah, apparemment non. Un pillage en règle. Et... Oh, une petite libération en règle aussi. Voilà. C'est du pognon. Et on fait en sorte d'en engranger toujours plus. Ça c'est tombé, c'est cool. Là au nord c'est tombé aux mains des Chirusques aussi. Ouais, c'est bien. Confédération germanique qui fait pas long feu. Allez, continue à piller quelques territoires romains. Aïsti. Pierre et minium sûrement. Qu'est-ce qu'il fout là? Il se passe des choses particulièrement étranges. Ah, j'ai pas de bois. Le bois le plus proche, il est par où? Il est par là, je crois. Je crois qu'il y a du bois dans le coin. Je me demande si c'est pas là. Bah il veut plus. Problème c'est que ça me bloque mon commerce. Et ballot. Une turbe. Bon, puis... on peut libérer hein, la Ligue étrusque. Ça fait au moins une bonne diversion. Hein. À défaut d'être très fort, ils vont faire une bonne diversion. Bon, ça, je l'ai vu venir. Et puis, il va falloir que j'échange de place mes deux troupes là. Et négocier à Pulien c'est royal. Tiens non. En soi lui. Hein.
Hop, un autre petit pillage. Oh! Oh, cavalerie noble. Ah ouais, ça je prends. Je l'économise. Cavalerie noble. Clairement, j'en ai besoin. Il me propose de l'argent? Ça me va. Bon, pas si mauvais. C'est pas si mal. Je me dis super, je vais pouvoir construire mon. Bah non. Est-ce que putain de réparation à faire là? Je me dis, ah, trop bien, il y a une vache de chevaux. Ouais, non. Rien du tout. Que dalle, il est là. Vache, le déplacement il coûte si cher que ça. Hein. La Confédération germanique, ils sont foutus dans la. Oh, les Cherusques. Ah ouais, merde. Les Rettes, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Bah dis donc. C'est rare de les voir se développer aussi bien. Hein. Hop, on arrive là, on est tranquille. On défend pas important, mais ils peuvent passer par le sud aussi. Donc on va faire attention. Ouais, ça me va. Ok. Alors. Voilà. Même si ça retire de l'ordre public. Ramasse-couille. Ici. Y a personne. Mine de rien, je l'aurais fait un peu mal à Rome. Un bon petit pillage. Je suis pas sûr qu'il soit très content de d'être venu m'embêter. C'est déjà la troisième faction que je libère. Attention qu'il passe pas par là ni par là. Commence à avoir quelques revenus. Première baliste. J'ai quelques archers. J'aurai bientôt de la meilleure cavalerie. Faudrait des meilleures unités au corps à corps parce que là mes unités actuellement c'est pourri de chez pourri quoi. Faut du bois. Ouais, quand même réussir à. Ils veulent pas. Il veut pas.
piège libération, voilà. Je pense que là, je l'ai pas mal embêté. 4 factions libérées là. Je crois que... Ok, il est pas forcément très content. Et tant mieux, dans ce sens. Ah oui. Il a bien mangé, Romain. C'est pas lui, ça? Ah, si. Il a bien mangé, mais on lui a quand même la retiré. Beaucoup, beaucoup. On met au régime un peu. On va le calmer. On a bien augmenté nos revenus. Hein. Avant le conflit avec Rome, on était à 600 ou 800, on est à 2002 là. Alors, je sais pas s'il y a une question hiver-été, c'est possible. Bon, bien sûr. Voilà. Tribal, Sparte. Voilà. Putain, ils sont là. Ouais. Ah mais voilà, je suis des lanciers en armure, c'est bien. On va économiser, on va acheter de toutes nouvelles troupes, on va recruter de toutes nouvelles troupes, bien fortes. Non. Un petit surplus de population. On a fait à manger. Je vais essayer quelque chose, je vais voir si je peux pas attirer. La City Royale. On va refaire un piège, en espérant qu'il tombe dedans. Et s'il tombe dedans, ça nous fera du pognon. Ouais, Sparte là, il est assez, assez puissant. Sparte, problème de Tilis. Et ouais. Il vient récupérer tous les territoires là. Clairement, le prochain, c'est moi. C'est pour ça qu'il me faut de quoi les arrêter.
pas en guerre contre eux. Comment ça? Mais il se passe des choses, je comprends pas la moitié de ce qui se passe. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Quoi ils ont fait là? Non, même pas. Oh, je sais. Tu me diras, ça me permet de me concentrer sur Sparte, mais quand même. Les Apuliens. Est-ce qu'ils accepteraient déjà ça? Dommage. Oh. Ah. 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 Ah, d'accord. Ah. Ouais, bon. Changement de plan, les gars. Recrutez pas de ça. C'est bon. On a ce qu'il faut là-bas. Ouais, intéressant, tiens, bah. L'entretien par contre le coût il est augmenté là. Point faible, les unités au début sont à chier. Point fort, on peut les upgrade. Très gros point fort en vrai. Après le point faible il est aussi sacrément gros. Hein. On toujours pas les unités de cavalerie là. Un tour. Voilà, c'est l'hiver donc ça me coûte plus cher. En plus ils sont bien entraînés. En tant qu'à faire. Attends, on va entraîner tout le monde. Hein. Ça me coûtera pas plus cher l'entretien ça. Ça c'est pas donné quand même. C'est clairement pas donné. Allez hop. Ah oui, je vais aider les légumes, ils sont cons, non? Et Guitrusque, tu veux pas t'attaquer à Rome, c'est ton ennemi naturel de base hein, quand même. C'est. Sont combien? Ah, j'en oubliais un. Mais en quoi ça? Donc tout ça on améliore. Ça aussi ça on dissout. Et là je vais pouvoir recruter de la cavalerie noble. Voilà, oh là là, ça c'est bon ça.
Ah yes. C'est bon, il a accepté de rejoindre la Confédération et en plus, ça m'ouvrir au commerce avec les bruits. Oula. Alors ça. Ça dégage. Ça. Ça dégage ça. Ça dégage. Et lui, il y aura là. Là. Pas intéressant ces constructions. Il a libéré les Suèves en lui, je sais pas pourquoi. Ça me va, ils sont très loin. Je m'en fiche un peu. Oh, ça coûte cher. J'ai d'autres priorités. J'ai ça. Et ça comme priorité. Non, direction à Kink et ils seront pas loin d'Istros au cas où. Et je vais préférer les envoyer à Malva. Je vous donne un coup de main avec mon espion qui va vous voler de la bouffe pour vous. Je peux recruter. Oh, ça c'est bon. Recruter, j'hésite. J'hésite. Est-ce que je recrute lui qui va augmenter les bonus de mon général à pied? Ou est-ce que je recrute lui qui va augmenter ses propres bonus à pied? Je vais faire ça, je vais prendre lui. Parce que je crois que les bonus sont plus intéressants pour l'espion. Je crois que c'est du 30% par niveau de revenu de pillage. Donc on arrivera sur un total de 90. Oh. Dommage. Alors que pour le général, ça va pas monter à 90, hein, je pense. Je les applique à Sarmizé Getusa. Je manquais un petit peu de bâtiment. Faire un saloir. On fera ça. Un peu d'ordre public, on n'a même pas besoin, je crois. De faire de la nourriture. Et les enfants, c'est très bien.
commencer par un accord commercial. Oh! Ça passe. Nickel. Oui. Ah, il se tape avec les dalmates. Ah. Oui. Oh. J'ai rien qui me donne des bonus en industrie là. Oh, bah merde. C'est ça qui donne sur toutes les ressources. Zalmonique, Moxis, Zalmoxis. Ah oui, tiens d'ailleurs. Voilà. Kogayonon. Le vent de la montagne transporte la voix de Zalmoxis. Zalmoxis. Pourquoi je viens de voir le nom Zalmoxis? C'était quoi Zalmoxis déjà? Ah bah c'est le bois! Non! La probabilité de... La probabilité! Oh merde! J'avais déjà oublié, hein. Ça avait tellement aucun lien pour moi que j'avais totalement oublié d'où est-ce que ça pouvait venir. Enfin, d'où ça venait, même. Pas d'où est-ce que ça pouvait venir, c'est d'où est-ce que ça venait. Ou pas, on arrive. Alors, c'est ça qu'on veut. Faire un contre-espion, pillard. Et bah, je sais pas quoi. Et c'est talentueux. Bah oui. Un contre-espion, pillard, talentueux. Quoi, ça coûte l'amélioration de 200. Bon allez, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, je vais pas m'avancer, mais on stabilise. Pour l'instant, pas trop mal nos possessions. Et je compte bien continuer comme ça. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. C'était Tiob.